Salut, salut, c'est Shunji et moi aussi pour le troisième épisode de Creativerse, une série qui a un franc succès parmi vous, sachant que je n'ai pas encore uploadé le premier épisode, du coup en fait je n'ai aucun retour sur le jeu. Je sais pas du tout si ça vous intéresse ou à l'inverse si ça vous intéresse pas du tout comme jeu, mais soit. Je continue ma petite série en faisant comme je peux pour récorder. Donc du coup, c'est qu'elle touche déjà pour la lighting, c'est elle, ouais, elle. Donc ouais, j'ai bien utilisé mon gant là pour voir quelque chose parce qu'il fait vachement noir quand même dans les environs. Tac, on va poser ça. Donc du coup, objectif de l'épisode, trouver ce qu'on appelle couramment le minerai précieux, l'iron. Il faudra trouver de l'iron durant cet épisode-ci, ce qui va être plus ou moins facile à mon avis. En fait, je n'ai aucune idée de savoir où se trouve exactement le fer. Une fois qu'on aura le fer, je pense qu'on va commencer à faire une base un peu plus sérieuse et tout ça. Donc du coup, là, on va continuer à chercher le tier iron et se balader un petit peu dans la zone en même temps qu'explorer et d'éviter de se faire crever par le premier mob qui se ramène. Bon, même si c'est pas le premier mob, ça reste toujours un mob, ça reste toujours une difficulté. Donc du coup, là, ça me l'air d'être vachement profond. Du coup, on va commencer par explorer la surface un peu plus haute, on va dire. Tac, alors par ici, qu'est-ce qu'il y a? Bah justement, on commence à se diriger vers une galerie plus profonde et qui se dirige vachement dans la profondeur. Ah oui, effectivement. On descend d'un coup dans un étage beaucoup plus profond, tout simplement. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a de l'obsidienne encore derrière? On n'a pas l'impression, du coup c'est bon. Le tout en fait dans ce jeu, c'est surtout une fois qu'on place un mineur, de savoir où on le met et de pouvoir le retrouver en revenant, en remontant à la grotte, parce que là, bon... Oh! Miru! Oh, quand il vient me frapper là! Oh, Miru, je suis pas d'accord avec toi. Tu vas te calmer parce que t'es mort, ok? Oh là là. Du coup, le plus dur, à mon avis, c'est seulement de remonter et retrouver ses pas parce que là, par exemple, bon, je sais que je viens de perdre ici, mais je veux dire, sinon, c'est fou de galère quoi. Il faut que je remonte après par là. Hop là. Je veux dire, c'est pas le chemin le plus facile. Ah, bah, tenez. Ah oui, ces deux petits trous là, je les ai pas encore fait, ok. Donc pour vous dire à quel point c'est compliqué de se balader dans une zone comme celle-ci quoi. Et ça c'est quoi? Est-ce que c'est un truc que j'ai besoin de la stalactite? J'en prends quelques-uns après tout. Ça va pas me faire du mal. Donc ok. Et sinon c'est l'air d'être plus ou moins clean dans les environs. J'ai l'impression que je peux un petit peu progresser. Mais j'ai l'impression que je suis atteint un nouveau niveau. Oh, plein de mobs hostiles. Pas plein de mobs, il y a une araignée. Une araignée, une larve plutôt. Je sais pas comment ça s'appelle ça. C'est une larve, hein. Je sais même pas comment je peux jouer tactiquement contre ces mobs là. Essayer de frapper et d'esquiver sur le côté. Ah, là il va cracher de la larve. C'est bon de le frapper. Et là il faut s'éloigner. On va voir si je peux l'atteindre de cette distance là. Ok. Ouais, c'est vraiment pas facile d'anticiper les attaques qu'ils vont faire, tac. Et en plus je vais conseiller. Oh, un cube de corail directement. What? C'est des monstres beaucoup plus gros que j'ai vu là-bas derrière, non? Genre beaucoup plus gros. Oh, et puis il y a full eau, je sais pas du tout si c'est une bonne nouvelle d'avoir un univers d'eau. Oh, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, qu'est-ce que j'y connais à ce jeu? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh, il y a vraiment... Oh, du minerai. C'est quoi ça? Du coral. Ça, c'est un truc que je pouvais déjà looter sur les mobs si je voulais. On va se faire un chemin un petit peu passable par la gauche. On va faire comme règle de toujours pas commencer par la gauche, ce serait plus simple. Et de bien tendre son oreille. Oh, ce serait pas du fer que je verrais là? Si, hein, je pense que ça ressemblait à du fer, non? Ceci. Est-ce que je peux placer là-dessus? Je peux poser là-dessus, ok. Et c'est quoi? C'est de l'iron. Alors la question que je me demande, c'est que j'ai des trucs un peu plus haut level au niveau de la du minage. Est-ce que ça serait pas plus intéressant que je mette des trucs haut level là-dessus? Peut-être, hein. Je pense que c'est... Je sais pas si ça accélère la quantité et la rapidité, on va tester maintenant. Et on aura vite une réponse. Oh, je me heal. Qu'est-ce qui me heal? C'est l'eau? Oh, l'eau me heal. Ah, d'accord, ça c'est bien, ça c'est une good news. Une really good news. Pour une fois qu'il y a des bonnes news tout en bas. Je pensais que c'était qu'hostilité qui m'attendait, mais non, apparemment, il y a aussi amitié. Donc, si je pose là-dessus, ah oui, je récupère beaucoup plus. Timing, c'est 4 minutes. Et là, il m'en faut pour 1 minute 24 et je récolte beaucoup plus. Donc, ok. Il faut mettre des extracteurs de tiers supérieurs pour ce genre d'éléments.
On va se limiter. Donc à partir de l'iron, on va commencer à mettre des mineurs de supérieurs. Que pour le colossi, il me faudrait en fait. Je sais pas si je peux avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'extracteurs ou pas. Waouh. Ouais, par contre, c'est énorme comme monde. Comment vous voulez que j'explore tout ça, moi? Je suis complètement perdu. Surtout que si on m'a dit gauche, gauche. Voilà. En plus, il doit y avoir des trucs au plafond. J'ai pas dû prêter attention. C'est quoi le truc là-bas? Un champignon. Ouais. Si on m'a dit gauche, gauche, je dois aller logiquement par là. Oh, j'ai pas envie de me balader là-bas, moi. J'ai peur. Et pas envie de faire des grottes plus structurées là-dedans. Parce que c'est vraiment compliqué que je suis complètement perdu, moi. Je dois vous dire que là, je suis totalement lost. Je vais prendre ces deux blocs-là et puis je vais réfléchir à une stratégie pour circuler dans la grotte, tout simplement. Parce que sinon, je vais m'en sortir. Hein. Ils sont d'accord. Non, des petits mobs comme ça, je n'ai crainte. Et puis, de toute façon, j'ai qu'à rentrer. Oh putain, c'est profond, en fait, sous l'eau. Est-ce que j'ai une barre de respiration d'oxygène quelque part? Je sais pas, mais j'ai l'air d'être bloqué. Non, je peux remonter à la surface sans souci. Mais je vois pas une barre de respiration. Donc je sais pas du tout si je peux rentrer sous l'eau comme ça ou pas. Et j'ai vraiment l'impression que je suis attiré vers la surface par contre. Yop. Yop, on prend les champignons parce que eux ils me rajoutent aussi de la vie par la suite. Donc là j'ai l'air de penser. Oh, oh miru. Est-ce qu'ils peuvent se balader sous l'eau? Oui mais ils ont l'air de couler plutôt par contre. Oh là là. Oh c'est. Oh miru. Ça, ça fait un éclair qui en fait est ébloui. Je sais pas ce que ça fait, je pense que c'était une grosse attaque. En fait, merde, il aussi dans la flotte. Merde, comment je le tue alors? D'accord, donc la flotte c'est bien sans être bien quoi. Voilà, c'était exactement ça que je voulais dire par ébloui. Ouais, mais là il remonte dans la flotte et il se soigne plus vite que moi, j'ai l'impression. Allez, remonte dans la flotte. Ouais, putain, il s'est soigné beaucoup plus que moi. Bon, vous savez quoi? Hop, je prends ça. Je prends ça et on se casse, hein. On va pas rester ici à lutter contre un mob qui est beaucoup plus résistant que moi au niveau de points de vie et qui survit beaucoup plus facilement. On va juste partir vers la survie. Merde, je viens d'où? Je viens d'être par ici, non? Ouais, je viens de par ici. Ok, allez, on prend tout ça, on traîne pas. Hop là, on remonte à la surface et tant pis pour le reste. On va essayer de réfléchir à une stratégie pour se balader plus facilement. Ah, je me demande si en fait l'eau ici, est-ce que je peux la récolter en fait? Ah non, requiert Diamond Mining Cell Creativa pour... ok, il faut être une Diamond Mining Cell, je suis pas du tout à ça. Ok, bon, moi j'ai la réponse rapidement. Tant que j'y suis, je vais aussi me soigner parce que je suis low HP. Pof, pof, pof. Ne me repère pas tout de suite, Mirimiri, je me soigne. Bon, je pensais pas être obligé de le faire ça maintenant, mais je vais le faire ça maintenant. Je vais construire une base digne de ce nom, efficace, qui ressemble un minimum à quelque chose, parce que si ça ressemble à rien, même le sol et tout ça. Pas content, pas content. Du coup, on doit faire des crafts, beaucoup de crafts, build surtout. Par exemple, ceci, c'est une recette que je viens d'apprendre. Si je craft une fois, je parie que je débloque des nouvelles recettes, qui me permettent de crafter des nouvelles choses, et à chaque fois, des nouveaux. Le problème, c'est que ça me réclame des ressources à chaque fois, tout ça. C'est un sens que je n'ai peut-être pas spécialement sur moi. Du coup, je suis obligé de préparer quelques ressources d'avance pour pouvoir progresser au fur et à mesure. Là, c'est au niveau de la stone. Si je fais ça, ça fait aussi de la stone, ok. Donc là, je peux choisir plusieurs minerais qui font la même chose au niveau des crafts. Mais bon, comme je vous dis, c'est pas évident, évident. Et donc du coup, comme vous pouvez voir, j'ai créé full processeur pour construire vraiment une zone. Et ici, c'est certainement l'entrée d'un tunnel que je vais faire pour aller creuser tout simplement. Du coup, je vais faire quelque chose d'assez systématique. Et donc voilà. C'était tellement le bordel dans les grottes que j'ai décidé de passer autrement. Je suis en train de crafter, de miner, de tout ce que vous voulez. D'ailleurs, ceci... Ah. Team cannot be plunk here. Ah. Pourtant, c'est une biwax. C'est... Ça peut pas être planté là. Est-ce que ça va être planté sur la racine directement? Non. Sur quoi ça doit être planté alors? Ça va être planté sur quelque chose d'un peu plus compliqué. Alors donc du coup vous voyez, je suis en train de vraiment de faire toute une base ici. Je suis en train de commencer d'aménager petit à petit, donc ça va ressembler à quelque chose, mais pas tout de suite, mais dans un certain temps. Ah mais j'ai ça sur moi sinon. Inventory, tac 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 tac. Est-ce que c'est ceci que je dois planter dans un arbre directement? Je sais pas sur quoi je dois le planter en fait, je sais pas si je dois planter dans le feuillage ou ailleurs. Si je plante ça ici. Ah, ceci veut bien être planté là. Et ça va absorber tout le reste. Ok. Et ça, c'est un truc de billes par contre. Alors, ça, c'est un truc qui doit être utilisé bien plus tard. Par contre, il m'annonce que j'ai quelque chose par ici. À mon avis, ça doit être au-dessus. Qui a un coffre. Quand je me rapproche, il y a un petit truc qui clignote. Donc, du coup, je parie que c'est par ici. Tac, tac.
Ça devrait pas être très loin. Non, je trouve pas, y a rien. Peut-être dans l'arbre, je sais pas, c'est pas grave. Allez, on va laisser le truc pousser là et on va voir si ça ressemble à un truc à quelque chose à la fin ou pas. On faut juste patienter un petit peu et on verra bien le résultat. Allez, on continue à construire et ça va être bien. Voilà, ça fait un moment que je suis en train de miner, de faire tout ce que vous pouvez imaginer. Et enfin, j'arrive sur une grotte. Alors je vais vous montrer quand même un petit peu le parcours que j'ai parcouru en minant. Tout ceci jusque là en bas, c'est une chose que je peux pas miner. Ça, je me demande si c'est un minerai ou autre chose, mais je pense pas que c'est un minerai. Du coup, il me faudrait crafter celui en iron. Mais je n'ai pas encore celui en iron. Du coup, j'ai fait un long tunnel qui descend jusqu'ici. Donc vraiment, vraiment assez important au niveau de la taille. Et donc du coup là-bas non, je viens de découvrir enfin une grotte parce que enfin ici si vous voulez j'ai trouvé un filon de fer là plus ou moins. Et donc du coup je me suis dit que ici c'est un étage du fer. J'ai fait pareil un peu plus haut pour un étage enfin un peu plus vachement haut par rapport au reste. J'ai fait plus ou moins la même chose ici quelque part, un étage pour l'obsidienne et le coal. Donc là on est bien et donc du coup ici maintenant je dois faire un étage pour l'iron et c'est ce que j'étais en train de faire. Alors pourquoi je veux un étage pour l'iron? Bah de 1 pour récolter de l'iron, ça c'est sûr, mais en plus de 2 pour récupérer tous les excès. Parce que bon, alors je dois crafter ce gant là, j'ai tout sauf le Seal Shell. Et j'imagine que ça c'est quelque chose que je peux récolter sur les mobs présents sur cet étage-ci. C'est pour ça que je dois absolument me faire quelque chose de propre à cet étage-ci. Du coup maintenant. Je devrais avoir pas mal de par exemple de stalactites. Je pense pas que c'est quelque chose de vraiment important comme minerai, comme ressource, pardon. Donc on va l'utiliser pour faire quelque chose de clean et de propre dans la zone. Donc en fait, si vous voulez, si je suis passé par ce système là et pas passé par une grotte, c'est tout simplement parce que je veux quelque chose de propre comme système alpha, c'est-à-dire quelque chose où une fois que je rentre, bah, c'est pas le bordel directement. Donc là il y a un chemin, et là il y a un chemin. Donc, purée, c'est déjà le bordel. Donc, je vais essayer d'avancer, de structurer ça au fur et à mesure. Du coup, par exemple, là, je pense pas venir directement par ici. Je pense que je vais plutôt me balader par ici avant tout. Alors, toi, petit monstre, tu n'es pas vraiment en danger pour moi, tu vois, parce que tu es déjà mort. Donc, voilà. Et sinon, il me faudrait des torches en réalité. Et je pense que je vais commencer à crafter des torches de tier supérieur qui m'ont l'air beaucoup plus importantes parce qu'apparemment, selon les souvenirs de Fifoux, les torches de tir important de tir supérieur rajouterait plus de lumière. Et apparemment aussi ils m'ont dit que les torches ne s'éteignaient pas comme je le pensais. Je sais pas comment ça se fait que j'ai un souvenir de que les torches s'éteignaient, mais apparemment elles s'éteigneraient pas. Bon, le problème c'est qu'ici on arrive directement sur une source d'eau. Donc ce qui va pas du tout aider les choses. Pas du tout même. Oh, il y a un coffre derrière, du coup le mud. Oh, le mirumuru. J'en expose un, les doigts dans le nez cette fois-ci. Hein. Oh, c'est tellement rare ça. Paf, allez. Ça soigne ça ou ça soigne pas? C'est pas de l'eau qui soigne. Ok, c'est pour ça que j'ai explosé si facilement alors que c'était un de l'eau. Tac, encore un de moins. Parfait. Et j'obtiens ceci qui me donne des blue carpets, des explosives bombes et du coal. Du coup, bah, de toute façon, on refuse jamais, hein, mais c'est pas spécialement le truc qui m'intéressait en réalité. Toi, tu vas faire la fontaine de lave, on sait. Je prends des dégâts ou pas? Ouais, je prends des dégâts, je prends des dégâts. On se fout beaucoup. Taper jusqu'au moment où il lâche la lave. Ah non, là il me teste, ok. Et là il est mort, ok. Bon bah c'était pas trop dur non plus. Pourquoi ça illumine un petit peu par là? Ça illumine un petit peu à cause de cette pierre là? Bon, on dirait que cette pierre là est luminescente. Du coup, ici cette partie-ci elle est fermée. Il n'y a pas grand chose à récolter à part le mode, les morceaux là-haut. Ouais, bah, super, je peux même pas construire correctement, ça me fait casser la figure. Hop, donc on va vite récolter ça et puis je partirai chercher le reste. Et donc cette zone-ci, vu qu'il n'y a rien d'intéressant a priori dedans, hein, il y a vraiment que de l'eau. Et l'eau, en soi je peux pas miner, hein, je pense. Ah non, même pas, je dois avoir un mini iron pour miner de l'eau. Du coup, je vais quand même peut-être laisser cette zone-ci dans savoir que, enfin, me rester laisser dans ma tête, dans un coin de ma tête, que dans cette zone-ci il y a ceci, mais sinon il n'y a pas grand-chose à faire quoi. Voilà, c'est pas facile. Par contre, j'ai l'impression que mes mouvements sont un peu compliqués à réaliser dans ce jeu à certains moments. Tac, et donc du coup, il y a du coal à récupérer sur le plafond, on va le récupérer aussi.
On ne dit jamais non aux minerais supplémentaires qu'on pourrait trouver à gauche et à droite. Bon, me voici dans cette grotte à l'exploration du monde. Bon, donc, du coup, j'ai découvert un truc. Ce bloc-là, il ralentit. Il ralentit vachement quand on passe dessus. C'est de la mode, on ralentit énormément. Alors, j'ai fait un petit chemin ici, hein, d'accès, donc... Là c'était la grotte d'où on venait, mais on s'en fout. Il y a de la mode ici. La mode, il faut que je la retire. À chaque endroit où je la trouve, il faudra que je la retire. Si c'est pour me ralentir et que je me fasse poursuivre par un monstre et que je meurs dessus, ça serait vraiment bête. Donc à chaque endroit où il y a de la mode, on remplace. Je ne sais pas combien de mains en obsidienne j'ai déjà crafté. Je pense que je suis à 4 ou 5 là. Comme quoi, elles se sont vite dépensées. Bon, il y a un chemin qui va mener tout droit, qui va traverser la grotte. Et un autre chemin qui va m'emmener plus à me balader dans les catacombes. Alors je vais faire des chemins. Alors déjà ici, c'est une source d'eau qui soigne. Ça c'est une source d'eau qui soigne aussi, ok. Et je suis bloqué. Non, ça va, je me suis détaché. Oh, un mur de mushroom. On dit jamais non aux mushrooms, on les récolte tout le temps, c'est sûr. On fait attention à notre dos aussi. Pas de monstre, c'est bon. Du coup, est-ce que ça c'est aussi une eau qui soigne? C'est aussi une eau qui soigne, ok. Bon, alors le truc c'est que je dois m'arranger de telle manière à ce que les mobs ne puissent pas passer à travers cette eau qui soigne. Alors je pense que le plus simple pour moi encore, c'est de me faire un chemin comme ça, en hauteur. Comme ça en plus, en même temps, je suis entre guillemets safe. Donc on va vite faire le premier chemin. Tac, tac, tac. Un truc qui m'emmène jusqu'en face. Et comme ça je pourrais continuer ma route là-dedans. Et on va rajouter bien sûr tous les différents blocs pour faire ça. Donc en fait là j'essaie vraiment de faire quelque chose de clean pour pouvoir m'y retrouver facilement en me rebaladant dans la zone. Donc vraiment un chemin à la limite. Là je suis plus en hauteur, donc on voit bien que c'est un chemin dégagé, que c'est bien un chemin réalisé par l'homme, me permettant de me déplacer plus librement. Alors j'ai passé certainement à travers toute cette petite roche là, mais on va éliminer le petit mob qui est là. Alors je suis bien sûr que je trouve les petits mobs parce que bah, les ressources qu'ils m'apportent sont intéressantes pour moi. Là tu craches de la lave, c'est pas grave, je me souviens pour l'instant là. Puis je reviens à la charge, tac, tac, une frappe, une claque, une frappe plus fort que toi au final. Et donc je t'ai avant toi. Par contre il faudrait que je trouve les mobs qui me rapportent le corail, le silfish, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ah, bonjour toi, comment ça va? Oh purée, mais en fait j'y pense, j'ai pas été récolté le coffre là tantôt. Oh il est du dépop. Si j'ai récolté, si j'ai récolté, il y avait une bombe dedans. Tiens, j'ai rendu la barre de mémoire tout d'un coup, c'est pas rassurant ça par contre. Ouais, tu me drops des trucs mais c'est pas ce qui m'intéresse hein. Enfin si, c'est des trucs qui m'intéressent mais c'est pas la principauté. Là il y a des mobs, là il y a des mobs, là il y a du corail. C'est pas des mobs que j'ai l'impression qui me rappellent une ressource intéressante. Du coup j'ai pas envie de m'attarder en fait sur eux. Oh, et j'ai un mirimiru dans mon dos. Un mirimiru qui a décidé d'aller tout droit dans son chemin. Et tant pis s'il se prenait des coups sur le trajet hein. Oh, hé, il me donne des coups de lag en même temps de me frapper, c'est pas bien ça. Bon, c'est-à-dire que ceci n'est pas si bien éclairé. C'est une torche que je veux du coup poser. C'est pas facile de se balader là-dedans, parce que même si je veux faire un système logique de cave, bah, j'ai peut-être de me balader et essayer de voir où est-ce que le chemin pourrait continuer. Le chemin continue par ici. Du coup, je serais peut-être plus apte à faire un chemin partant comme ça en diagonale là-bas. Mais bon, j'ai vu un mirimiru déjà devant. Tac, voilà, et on voudra bien l'éliminer pour limiter les dangers. Oups, on va se soigner aussi. Alors, pour limiter les dangers, il faudrait que j'arrive à le toucher, hein, pour arriver à le blesser puis le tuer. Voilà, parfait. Et 4 yeux de sa part. 4 deux yeux. C'est quand même un long chemin ici, hein. Faut quand même faire un premier tour pour voir ce qu'il y a d'intéressant à récolter. C'est quoi ça? Enfin, c'est du seul 3 quoi, en minerai classique au final. La grotte est grande, je sais pas s'il y a des trucs au plafond, ouais, on dirait qu'il y a des trucs au plafond. Et ça c'est quoi? C'est de l'eau classique ou c'est... J'ai vu un monstre, un gros monstre là derrière. Je sais pas si c'est mirimiru ou autre chose, s'il y a 3 mirimiru en fait. C'est bien mirimiru aussi ça? Bon, deuxième truc derrière. Les mirimiru, si ils ont pas de yeux sur la tête, ok. Confirmé. Je sais pas ce qui se passe, mais je ferai pas cette dégâts, ok bon. Faut vraiment que j'évite les zones d'eau avec les monstres. Il faut que si je m'en affronte contre un monstre de ce genre là, que je puisse m'assurer de pas me faire déranger par l'eau. Bon, ici je peux l'amener un peu derrière. Mais du coup j'ai toujours pas trouvé les monstres qui me ramenaient du Coral Rift.
Ah mais attendez, je sais peut-être c'est quoi. Oh putain, je vois plus rien. Non, mais si tu me le fais deux fois affilée, c'est de la triche. Et du coup tu vas mourir. Ah, hop là. Le corps a le rift. Oh putain. D'accord, il y a full. Alors, je me rappelle quel épisode précédent j'en cherchais, mais là il y en a full quoi. Full d'un coup. Le corps a le rift, vraiment, tu sais pas. Il y a un truc là que je pourrais peut-être réaliser dans la forge. Oh. C'est bien, je pourrais en gérer un. J'ai pas grand à ton dos, non, j'ai pas mon dos. Je veux bien que je dois apprendre à les gérer, mais bon. Oh mon dieu. Ah, j'en ai mis un déjà. Et le deuxième sera facile à éliminer du coup. Ouh. Chaud. Du coup, ce que je me posais comme question, c'était. Ouais, je vais juste faire ça, je vais juste récolter un bloc et puis je vais repartir parce que j'ai du mal à gérer la zone, hein, ça se voit. C'est vrai que j'ai du mal à gérer la zone. C'est le bloc là qui m'intéresse. Et on va quand même prendre un champi au cas où l'autre mob viendra m'agresser. Ouais, il viendra m'agresser. Tac. C'est juste celui-là que je veux voir. Alors, je me demande si. Si je ramène ceci et que je le ramène à une forge, est-ce que je peux pas faire le taf qui m'intéresserait? Boum. Allez, run, mon ami. Oui, alors ici j'ai prévu de mettre des escaliers hein, tout le long, mais bon, pour le moment, vous voyez bien que j'ai pas le budget pour faire tout ça parce qu'il me ferait beaucoup de redstone. Du coup, on verra ça plus tard. Non, mais en fait, j'aurais beau m'enfoncer, j'arriverai jamais à le trouver. Seashell, full on the beach. Beach, la plage. Oh là là, je ne chie. Il fait jour ou il fait nuit? Il fait nuit. On va chercher une plage, du coup. Map. Ah non, je peux pas regarder la map pendant le temps que je dors, apparemment. Voilà. Map. Mais j'appuie sur la touche M là, s'il vous plaît. View map. Pourquoi ma touche M ne répond pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? M? Non? Pourquoi que je suis en clavier encore français? Je suis en clavier belge là en plus. Pourquoi je. View map M? D'accord, bon bah c'est bugué encore une fois. Alors, rigolo ou non, mais regardez, game settings. Contrôle, la touche map c'est ici, donc je clique ici, M, appli, j'appuie sur la même touche maintenant que je viens d'appuyer, et j'ai pas accès à la map, c'est génial non? C'est complètement bugué. Ah, voilà, enfin, donc si j'appuie sur moi, je vois que là il y a une plage, oui là il y a une plage, là-bas je sais pas du tout pourquoi je vois tout ça, parce que c'est le centre de la map peut-être. Donc, j'imagine que si je veux repérer la map, soit je vais aller là-bas, c'est un biome, je sais pas, je vais y aller. Du coup, c'est par là-bas le biome. Du coup, on va aller se balader assez loin. De toute façon, j'ai la touche T pour me téléporter. Ah, mais c'est peut-être loin de me crafter les téléporteurs. Non, téléporteur, j'en ai débloqué justement, je peux en crafter, non. Tac, alors je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Tac. Si je vais dans mon inventaire, tac, que je prends ça et que je le dépose n'importe où, hein, juste pour voir à quoi ça ressemble. Si je venais déposer ceci là par exemple. Wow, you discover a teleporter. Step into the teleporter to warp another link teleporter location. Interact F to open the code panel. Drag item into the code slot to link teleporter together. Et this teleporter se définit le code téléporte, oh là là. Ah, d'accord. Celui-ci peut se téléporter à celui-là parce que les slots là permettent de se connecter à celui-ci. Et celui-ci peut aller sur celui-là parce que en bas pour en haut. Ok, ok, ça marche comme ça. Ok. Donc là par exemple, je peux lui dire téléporte 4. Et si je mettais pas de code, ça fait quelque chose à votre avis ou pas? Même si j'en mets un autre là. Ils ont aucun de code tous les deux. Ok, ouais. Sans code, ça se link entre eux parfaitement. Donc. Ah oui, ils ont une destination, d'accord. Du coup, on va en poser un pour le moment. Et on va aller de l'autre côté jusqu'au désert. C'est par là, hein, le désert. Map. Ouais, c'est par le désert. J'espère que ça fait aussi désert et beach. J'espère que ça fait la même chose. Sinon, j'ai voyagé longtemps pour pas grand chose. Bon, les amis, il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière séquence. J'ai remarqué que j'ai eu un problème de record
Pour les séquences précédentes, du coup, je les recommence, même si, ben, du coup, c'est pas comme si je pouvais les improviser. Ce qui s'est passé, donc, j'ai crafté le téléporteur qui m'a parti dans le mode savane. Par la suite, j'ai exploré un petit peu la zone et j'ai vu en fait. Merde, c'est où? Merde, j'étais pas parti très loin en plus. C'est une blague? Je suis vraiment pas parti très loin. Je suis parti par où? Je suis parti sur le biome glace qui était là et j'ai directement trouvé. Et j'ai exploré tout ça en fait. Okno. J'ai exploré tout ça, je suis pas quand même fou. Moins. Le plus. Plus. Ah, où je suis parti explorer le biome là en bas, en bas à droite? Non, mais je suis parti où? Pourquoi c'est flouté tout ça? Ah, parce que j'ai une limite où c'est. Après c'est flouté. Ok, bon, donc du coup. Okno. Il y a bien un endroit où c'est Kno quand même. Taiga, Taiga. Okno. Taiga, Tundra, Tundra. Okno. Bon. Il y a un moment où j'ai exploré tout ça et je suis arrivé sur les plages ici lointaines. Mais apparemment c'est Ukno, complètement Ukno tout ça. Je comprends pas, je suis presque sûr que j'ai fait tout ce parcours là. Bon enfin je suis parti loin. Ou je suis parti par ici? Non mais. Je suis parti à un endroit en tout cas. Et je suis pas fou, hein, je l'ai fait. Hein, je vous dis que je l'ai fait. Je suis allé quelque part, mais cette map est vraiment moche, zoomée comme ça. Et. Comme ça, c'est illisible. On peut pas avoir des zooms entre intermédiaires, non? C'est pas possible. Bon, soit, je suis parti à l'exploration et j'ai vu une plage. Alors la plage, pour moi, je vous dis, elle était par ici. Pour moi, je suis allé ici en fait, explorer la plage là et j'ai fait toute cette côte là et j'ai récolté tous les coquillages que j'avais sur le trajet. En fait, oui. Ce que j'avais pas lu, c'était donc beach. Donc il fallait que j'aille sur la plage. C'est ce que j'ai pu faire et j'ai pu crafter enfin mon outil. J'ai aussi donc amélioré la base au niveau de la construction et tout ça. Du coup, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Enfin, ça commence. Il y a un début quoi. Il y a un début de quelque chose. Donc, je suis en train de trier tout ça. Je suis en train de crafter le nombre de coffres nécessaires. Là, par exemple, il faut un coffre supplémentaire. Voilà. Donc, je suis en train de crafter les ressources, mais ça prend du temps et tout ça, bien évidemment. Puis, je suis pas encore toute la place que j'aurais besoin à la fin. Du coup, j'ai fait une place et enfin une base. Avec une grande place quand même, c'est pas petit, on peut pas dire que c'est négligeable hein, le terrain que j'ai fait là. J'ai fait donc mes cavernes et tout ça, donc voilà, j'ai bien évolué. Et finalement, j'ai réussi à crafter le gant en iron. Du coup, en débloquant le gant en iron, j'ai débloqué de quoi crafter le gant en diamond. Ce que je ferai donc dans le prochain épisode. Par contre, un autre truc que j'ai débloqué aussi, c'est quelque chose que je devrais trouver par ici. Ça s'appelle comment? Je n'ai aucune idée. Oh tiens, c'est quoi ça? Tool. Wiring tool. C'est pour faire des câbles ça. Perfect when you need the wire up a VCR. Alors VCR, je sais pas du tout ce que c'est. Mais donc ça c'est. Ah, des câbles. Et ça c'est une tamine collar, c'est pour tamer les mobs. Et ça c'est une plow, c'est pour collecte de waste seeds. Ah, ça c'est tout un truc de système de récolte. Ah, ici un système de logique, de redstone entre guillemets. Blue Bacon, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de faire nombreuses comparaisons gate? Ah, mais il y a peut-être des tuyaux dans. Si je tape pipe ou un truc comme ça. Ah, premium. Ah, il faut le premium. Galactic Pipe. This system is unlocked by purchasing the Galactic Super Bundle Store. C'est donc il existe bien un système de tuyaux, je m'en doutais. Je pensais pas qu'on allait devoir passer par ici pour l'acheter. Galactic Super Bundle. C'est 800 pièces. Ah, mais j'ai largement ce qu'il faut. Plus 5000 blocs. Comment ça se fait que j'ai autant de points? C'est parce que j'étais premium ou un truc comme ça à l'époque? C'est possible, hein. Je suis sûr que j'ai gagné full points à l'époque. Donc il faut ça. Et puis il y a le temple caché. Ah, il y a des trucs intéressants. Hidden Temple Pack à ah, 200 et Galactic Pack pour 200. Alors, c'est quoi la différence entre ça? Donc, ça, je débloque tout ceci. Et si je prends ceci, je débloque toutes les recettes ici. Ce sont des câbles, des Galactic Ladder. Donc, ah, c'est tout pour aller sur la Lune, ok. Mais ceci, est-ce que c'est une utilité? Made in the crafting, everyone forget the most important job for astronaut, space plumber. J'ai l'impression que c'est de la déco, ça, les gars. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est des tuyaux. Mais alors, c'est quoi la différence entre ceci et ceci? Item include, c'est ça. Mais item. Ah, c'est parce que je reçois aussi une certaine quantité de pièces, de ressources directement là-dedans. Alors que je suis sûr que.
Get over 5000 blocs, 22 différents items. Ok, ici c'est Grab of 2500 Galactic blocs. D'accord. If you want craft your own Galactic block, pick the Galactic Supermodel from the store. Si tu veux craft votre propre own Galactic block, je sais pas ce que c'est un own. Il faut que j'achète le super truc. Ok. Et ça, j'imagine que c'est exactement le même principe, c'est juste des blocs. Ok. Bon bah, je garde ça en mémoire. Mais alors, je sais pas du tout le fait que ce soit en promo si c'est plus intéressant que ça. Moi, j'ai l'impression que ceci et ceci sont plus importants. Mais bon, j'ai surtout l'impression que si j'achète ça, je vais surtout me retrouver avec. Ici, item. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas du tout. Quand je tape pipe, j'ai pas l'impression que j'ai tombé sur un système de redstone logique ou quoi que ce soit. Armor, storage. Container, ah, container, comment ça? Ah, ça, c'est des trucs pour afficher visuellement, pour avoir un aspect visuel. D'accord, ok, donc ça doit être ça. Alors, ça, ce sont des machines qui permettent de faire des différents trucs et on voit pas de pipe dans les machines. Blueprint, Adventures, alors je sais pas à quoi ça sert. Create a portal pour votre voiture, les entités, les Enter Universal of Creator of Engine. C'est pour passer entre différents mondes? C'est possible. C'est un peu bizarre, mais c'est possible. Décoratif, ça, tout ça c'est du décoratif. Alors, si je verrais le truc astronaute, fourniture, non. Premium. Pour moi, tout ça c'est que de la déco. Hein. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est que de la déco. Que de la déco. This item unlocked by purchasing Oshawa Incident Free of 02 Day. Ouais, à mon avis, ça c'est que des éléments de décoration. Bah, j'en suis pas sûr, bien évidemment, mais. C'est la supposition que je fais. Alors, j'ai débloqué un truc pour le minage qui m'avait l'air intéressant, mais j'arrive pas à le repérer. Ah, c'est ceci. Excavateur. Use it to clear a large area of hostile or weaker block. Alors, craft. Je suis juste curieux de savoir comment ça fonctionne. Alors, j'ai l'impression que c'est une bombe, plus qu'autre chose. Ah, mais je l'ai déjà ici. Mais ici, j'ai justement un fossile. Alors, je vais savoir si je le pose là. Interact, c'est une bombe. C'est une bombe, y a pas de doute. Ok. Ok, c'était une bombe. Et donc là, je récupère les ressources qui étaient présentes ici. Effectivement, pour miner, je pense qu'il n'y a pas plus intéressant que ce genre de truc, hein. Ah mais attendez, pour miner, je viens de dire pour miner. Est-ce que ça vaut la peine de miner avec ce genre de truc? Donc en fait, ça correspond à explosif et amélioré, avancé explosif. Il faudrait du diamant pour celui-là. Lui, il fallait du fer, donc beaucoup de fer quand même pour le faire. Donc lui, c'était une zone de 16 par 16, je dirais plus ou moins, ou de 8 par 8. Il précise pas la taille. Use it to clear the large area of fossil weaker block. Nanyan, donc d'accord. Use it to blow up a surface block. Place an active for use. Ok. Donc là, ça a l'air d'être plus safe, plus facile à utiliser entre guillemets. Et cela a l'air d'être des explosions bien plus importantes de level bien plus élevé. Bon alors du coup ça fait quand même pas mal de dégâts. Hop là. Alors heureusement moi j'ai mes petites ailes pour voler. Faudrait juste que je refasse un escalier bien propre maintenant pour pouvoir continuer à voyager ici. Enfin à voyager. À me balader dans la zone quoi tout simplement. Hop là, bon, allez, je refais tout ça. Alors, vous avez compris, j'ai fait quelques améliorations entre cet épisode-ci et l'épisode précédent. Donc, le truc, c'est surtout de continuer dans ce taux-là et de pas perdre la cadence, quoi. Oh, perdre la cadence, c'est pas un problème en soi. Et donc, du coup, ici, j'ai fait une plateforme. Quand même, le trou était plus efficace et plus inattendu que ce que je pensais. Hein. Je pensais pas à ce qui se passe, quelque chose de ce genre-là, avec cette explosion. Je m'attendais vraiment pas. En fait, je m'attendais pas à provoquer une explosion déjà tout simplement. Je pensais au début que ça allait être plutôt un truc de minage, mais c'est un truc de minage. C'est un peu spécial à dire, mais ça peut être utilisé à des fins de minage, mais ça coûte cher, je trouve, pour ce que c'est. Je pense que miner est finalement beaucoup plus efficace que de faire un trou pareil, quoi. For you.